Prenez la pause pour ma miniature. Savez-vous ce qu'il y a dans cette boîte? Même pas une petite idée? Eh ben moi je le sais. Est-ce que je vous ai déjà présenté Yoshi et Sunny? Je vais vous les présenter. Voilà, voilà, hop là, regardez-le celui-là. En fait, le jaune c'est Sunny et le rouge c'est Yoshi. Voilà. Hein? Regardez-le, il est content, hein? Il est content, hein? Il le sait qu'il va passer à la télé, bah, hein? C'était une petite parenthèse vite fait. Bon, aujourd'hui les gens, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour un petit unboxing des familles. Ça fait bien plaisir et on va découvrir ce qu'il y a dans cette boîte ensemble. Moi je le sais déjà. Mais vous, est-ce que vous le savez? Eh bien non, je ne crois pas. Alors attendez, parce que je dis que c'est ça, mais en fait, je sais pas trop. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai commandé pas mal de trucs. Bougez pas, je vais chercher un couteau. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai commandé pas mal de trucs. Et je sais pas vraiment si c'est celui-là, mais je pense que c'est celui-là. On va tout de suite ouvrir ça ensemble. Attention. Ouvrons. Oh putain. Ouh, ça sent bon. Ouh, ça sent bon. Ouh, ça sent bon. Oh oui. Ah bah voilà. Et vous vous demandez certainement pourquoi ai-je fait une tête d'étonné sur ma miniature alors que je savais déjà ce qu'il y avait dedans. Eh bien c'est le code de YouTube mon vieux, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça depuis des années et puis voilà. Quand vous faites un unboxing sur votre chaîne, toujours la base c'est prendre la boîte dans les mains sur la miniature et faire une belle tête d'étonné. Vous voyez, je sais pas moi, c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui l'ai inventé. Même si vous savez ce qu'il y a dans le colis, admettons, il faut jouer le truc, même si vous savez qu'il y a une cacahuète dans le colis, vous prenez votre colis et faut que vous soyez dans votre personnage. Faut que vous soyez content d'avoir cette cacahuète, voyez, c'est du style waouh, une cacahuète. Eh ouais, c'est comme ça que ça marche mon vieux. Ben ouais, c'est pas moi qui ai inventé ça. Bon, regardez ça les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain mon vieux. La facture mon vieux, je préfère pas la regarder celle-là. Non. Disons qu'elle est douloureuse. On va voir ce qu'il y a dedans. Bah de toute façon, je sais ce qu'il y a dedans. Et puis là, vous devez forcément vous en douter. Nickel. Ah, vous voulez peut-être que je change de chaîne? Hein? Un petit Gulli, je sais que vous aimez ça en plus. Hein? Ah, regardez ça. Je sais que vous aimez ça. La dernière fois que j'ai fait une vidéo ici, il y avait que des Gulli dans les commentaires. Oh bah j'ai dit si ils aiment ça, je leur mettrai ça la prochaine fois. Ça fait plaisir. Puis moi aussi j'aime ça. Comme ça. Aïe 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 aïe. Pop 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 pop. Oh là là. Regardez ça. Regardez ça. C'est un truc de malade, les gens. C'est un petit PC portable MSI. Voilà, je me suis fait plaisir. Un bon petit plaisir, j'ai envie de dire. Alors en fait, si vous voulez, ce PC portable, il va me servir à faire des montages en haut, tout simplement, quand je serai chez moi, quoi. Parce que oui, en fait, quand je dépasse cette porte, pour moi, c'est un petit peu comme si... enfin, je suis chez moi, vous voyez. Mais je suis dans YouTube. Voilà, quand je dépasse cette porte, je suis dans YouTube. Quand je remonte, je suis chez moi. Vous trouvez ça peut-être un petit peu con, ce que je vous dis là, mais c'est histoire de bien déterminer les deux espaces. Voilà, ici, c'est chez moi. En bas, c'est YouTube. Et donc, ce petit PC, eh bien, il va me servir à faire des montages chez moi, tout simplement, en haut. Et alors je dis ce petit PC, c'est v'là la bête en fait. Je vais vous donner la référence exacte du PC si vous voulez savoir. Il faut juste que je la retrouve. Attends, parce que j'ai même pas envie d'abîmer la boîte mon vieux. La boîte elle est tellement stylée quoi. J'ai même pas envie de l'abîmer. Je vais mettre ça là, hop tac. Alors, la référence exacte du PC, c'est un 17,3 pouces FHD GS73VR-7RF-252FR. Voilà, tout simplement. Et bah franchement c'est bien cool quoi. Aïe 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 aïe, comment que ça tue quoi. Ça fait bien plaisir, ils m'ont bien emballé ça. Waouh, ça y est. Ça tue carrément quoi, c'est nickel. Alors, on va l'ouvrir ensemble bien gentiment. Et waouh, franchement ça déchire. Alors je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Normalement il n'y a pas tout marqué. Mais c'est une GTX 1060. Donc c'est un Intel Core i7. Il n'y a pas la référence exacte, hein, i7 je sais pas quoi. Donc VR Ready, bah ça c'est cool, ça veut dire que je peux brancher l'Oculus et tout. Donc c'est nickel. Et doit y avoir 8 ou 16 Go de RAM, je sais plus. Et puis bah il y a un petit SSD dedans, il y a un HDD aussi. Donc voilà, je crois qu'il y a 2 Tera de HDD et il y a un SSD de 256 je crois, un truc comme ça, je sais plus. Faudra que je regarde mieux que ça. Donc les gens, on va faire le premier démarrage ensemble. Et franchement, c'est plutôt cool. La belle bête, elle est là. Et on va lancer ce premier démarrage ensemble. Putain, j'ai carrément l'impression que c'est le premier homme qui a marché sur la lune. C'est un truc de fou. Attention, c'est parti. Petit clavier style série aussi.
Je crois bien que ça s'allume là, mon vieux, là. Non? Attends. Ça s'allume ou pas? Non. Attends. Je me suis foiré, là. Comment qu'on l'allume? Comme ça? Ah, il y a peut-être pas de batterie. Ah, merde! Ah bah, c'est con, ça. On va le brancher bien gentiment. Voilà, on va brancher ça bien gentiment. Tranquillement, ok, nickel. Alors c'est vrai aussi que je vous ai pas montré les connectiques, mais on peut brancher un HDMI. Ici il y a un USB 2.0. Ça je sais pas c'est quoi. Ah si, je crois que c'est un mini USB qui est juste à côté de l'USB là. Voilà, il y a le truc pour l'alimentation. L'autre côté, il y a, on peut brancher une prise Ethernet. On peut brancher carte SD. On peut brancher 3 USB 3.0, un casque et un micro. Voilà, c'est fait comme ça sur les côtés. Voilà, et puis il y a une espèce de petit branchement juste ici, là, mais je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il s'allume cette fois-ci? Verdict? Oh yes! Ça s'allume. C'est qu'il n'y avait pas de batterie. Par contre, justement, je voudrais peut-être bien enlever la batterie du PC. J'espère qu'il y a moyen de l'enlever. Parce que ce qu'il y a, c'est que moi, je vais beaucoup l'utiliser sur secteur, je pense. Donc, ce serait cool que je nique pas la batterie. Faudrait que je me renseigne pour l'enlever. Voir si c'est possible. Ça se trouve, c'est pas possible du tout. En tout cas, franchement, c'est super classe. Regardez, petite mise à jour oblige. Et bah ouais, hein, c'est la première utilisation, c'est comme ça, quoi. Ça y est, mon vieux, il se lance. S'enregistrer maintenant. Non, j'ai pas le temps, mon vieux. Enregistre-moi plus tard. On verra ça un autre jour. Oh là là, franchement, comment qu'il est super beau. Même l'écran et tout, il est super classe. Hein. L'écran, c'est 1080p. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, c'est marqué 120 Hz, là. Je sais pas. C'est possible, hein. En tout cas, les gens, je suis bien content parce que c'est plutôt cool, un petit PC portable comme ça et tout. Alors là, avec ça, je vais pouvoir jouer à tous les jeux en ultra. Donc, franchement, c'est bien cool. Et je pourrais aussi changer pas mal de décors. Donc ça, ça va être bien cool aussi. Regardez ça, carrément, le truc qui s'allume de toutes les couleurs et tout. C'est franchement bien cool, quoi. Petite vidéo gameplay avec vue sur ma télé, tranquillement, avec Gulli en fond. Petite vidéo gameplay dans ma cuisine, c'est cool. Petite vidéo gameplay sur ma table, c'est cool. D'ailleurs, avec le PC portable, j'ai pris une petite souris sans fil et une sacoche, juste ici. Donc ça, franchement, c'est cool. Je pourrais même jouer dans ma baignoire, c'est un truc de fou quand même. Petit gameplay dans les toilettes, tranquille, ça change un peu. Un jour, je ferai même un petit gameplay dans ma chambre. Et puis à l'occasion, bien entendu, je ferai un petit gameplay dans ma voiture. Ça va être cool. Focus. Impeccable. Bref, tout ça pour vous dire, les gens, qu'avec ça, eh ben, je pourrais vous proposer des petits gameplays un peu partout. C'est plutôt cool, franchement. Et même des petits montages un peu partout. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Franchement, moi, je suis super content d'avoir pris ce petit PC portable. Il a l'air franchement bien. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les petites vidéos à gauche ou à droite ou vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye!